Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Alors, on va discuter avec eux, mais c'est compliqué avec votre capitaine. Parce que le problème, commandant, c'est qu'ils veulent des informations sur l'enquête ainsi que le nom du groupe terroriste, etc. Non. Sauf qu'on peut pas les donner, non. Malheureusement. Et en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous allez voir vos clients. Pourquoi vous en avez besoin? Mais pas pour faire avancer l'affaire. Ok, c'est à votre client de les donner, pas à nous. Bah si. Non. En fait, je vous explique, monsieur le commandant, lorsque nous défendons un client. Excusez-moi, je m'étouffe, donc Cooper, tu vas reprendre la suite. Attendez, excusez-moi. Ça va aller, monsieur ? Oui, ça va aller. Monsieur, ça... Voilà, alors comme je disais, nous... Non, vraiment, vas-y. Sterling. Vas-y. Ah, écoutez, je me permets de prendre Sterling, la parole. Sterling, t'es un peu blanc, tu peux aller un petit peu plus loin, s'il te plaît, Sterling. Oui. Je me permets de prendre la parole deux secondes. En fait, ce qu'il faut faire concrètement, je vais pas vous apprendre votre métier, mais vous allez voir votre client, vous prenez sa déposition, vous notez tout ce qu'il a à vous raconter, sa version des faits, qu'elles sont trop fausses. Oui. Ensuite, sa confrontation avec un procureur où on expose nos faits à nous, et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, ça passe sur un jugement. Vous avez besoin de quoi comme information? Alors, écoutez-moi, en fait, je vais vous expliquer très, très, très simplement et très brièvement cette histoire. Pas non plus de l'expliquer aussi simplement, on n'est pas débiles. Bien sûr, non, loin de moi cette histoire. Personne ne dit ça ici. D'accord. Là où je veux en venir, c'est que vous êtes d'accord que. Pour que justice soit faite et pour que défendre notre client, il faut qu'on ait les mêmes chefs d'accusation que la partie adverse. Donc pour ça, il nous faut tous les éléments du dossier. On aimerait connaître ce que vous reprochez à notre client. Dans ce cas-là, vous allez avoir les chefs d'accusation, mais non pas les détails. C'est deux choses différentes. On est obligé d'avoir. On est obligé d'avoir les chefs d'accusation. Concrètement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous reprochez au client? Qu'est-ce qu'on reproche à la base? Voilà, mais elle est simple cette question. Oui, mais attendez. Mon capitaine, mon commandant, capitaine. Je vous réponds. On était avec le client et c'est. Commandant suprême. Voilà. On était avec le client. Je vous et c'est le capitaine qui est venu et ils se sont entremêlés, si je puis me permettre. C'est parti en bourricade entre eux. Oui, en bourricade. Vous m'écoutez écoute comme. Super. Mais il faut quand même m'écouter. Donc c'est parti en bourricade et puis voilà. Quels sont les faits reprochés au suspect? Ouais. Association de malfaiteurs. Très bien. Je note. Terrorisme. Très bien. Vous notez? Vous voulez lancer un peu? Je note. Oui, attendez, on note. Ok. Association de malfaiteurs, terrorisme, porte d'armes de catégorie je sais plus combien illégale, porte d'armes illégale. Oui, mais on parle pas d'un Beretta là, on parle d'une arme d'un fusil d'assaut. Arme de guerre, monsieur. Tentative de meurtre sur agent d'État. Ça, c'est très grave. Tentative de kidnapping sur agent d'État. C'est très grave. Terrorisme, association de malfaiteurs, c'est très grave aussi, monsieur, quand on attaque un commissariat. Oui, écoutez, oui, voilà, qu'est-ce qui n'est pas grave finalement? Je vous épargne les délits de fuite et les outrages à agent. Et finalement, est-ce que vous avez, bien évidemment, normalement, des preuves de tout cela? Alors, les preuves sont. Première. T'es où, TG? Des agents. Interrogatoire, sa mère. Arrêtez de crier! Oui, écoutez le commandant, s'il vous plaît. Premièrement, agent assermenté. Secondo, les agents assermentés blessés. Troisièmement, les saisies. Monsieur, il a fait feu. J'ai pas fini. Il a fait usage de son arme. J'ai pas fini. Oui, je vous écoute. Les deux balas ont fait usage de leur arme. Les deux familles. On ne représente qu'une personne, monsieur, pour l'instant. Ok, vous présentez qui? Le family Diz? L'homme en vert. KG n'a pas fait usage de son arme. D'accord. Ah, donc, la personne blessée ne le concerne pas. C'est de la complicité. Bon, dernière chose, mon commandant, et après on va vous lâcher. Est-ce qu'il y a eu une négociation? Est-ce que vous avez envoyé un négociateur? Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. On parle pour les family Diz. Ces personnes-là étaient en voiture, sont rentrées dans mon véhicule, se sont mis à ma poursuite. Quand je suis sorti de mon véhicule, ces messieurs ont sorti leurs armes, ils se sont mis à me braquer. Heureusement, des renforts sont arrivés à temps. Nous les avons encerclés. Étant pris au piège, ils ont levé les mains et se sont rendus. D'accord. Très bien. Quel est le nom du juge suprême à qui on aura affaire? Le nom du procureur. Du procureur. C'est du juge aussi. Monsieur le capitaine? Mike. Mike. Note.
par rapport pour les ballas, comme ça, si jamais c'est eux qui vont, si jamais c'est eux que vous allez représenter, ça dépend de l'argent. Ça dépend de ce qu'ils nous payent. Okay. Oui, il faut de l'argent. Je vous préviens à l'avance. Vous êtes super sympa, mais qui sont venus devant le commissariat, ont ouvert le feu sur des agents et des civils. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est... Oui. Non, mais vous savez, monsieur, on peut défendre des criminels, mais on peut aussi défendre la loi. Voilà, on va pas nier les faits. Non, mais après, vous êtes des avocats. Vous êtes là. Vous êtes là pour les. Nous avons les vidéos de surveillance. Après, vous êtes commis d'office. Ça, c'est très intéressant. Après, c'est le gouvernement qui vous paye. Écoute, vous allez les défendre, peu importe ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, monsieur. Ah, c'est des commis d'office. Ouais, c'est des commis d'office. Ouais. C'est des commis d'office sous votre ordre, mon commandant. Alors, attendez, Sterling, écarte-toi parce que c'est en train de chauffer. Oui. Oh là là. Oh là 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 là. Dites-moi, mon commandant, on est commis d'office parce que vous avez demandé qu'on soit commis d'office. C'est-à-dire. Oh, comment vous avez fait pour sortir ça de votre petite poche arrière? C'est une matraque télescopique. D'accord. Et vous comptez en faire quoi, monsieur? Attendez, je note. Non. Dites-moi. Attendez, c'est très intéressant. J'ai la main. D'accord. Laisse-moi passer devant. J'aime bien les matraques. Attends. Donc sors sa matraque télescopique devant un avocat. Télescopique. Vous essayez de moquer de moi, monsieur? Non. C'est juste le jargon d'avocat. Étant donné que le commissariat est rempli de criminels, je préfère la garder afin de vous protéger en cas de dégénérescence du comportement des individus. Dégénérescence, vous dites? Alors. Oui. Dégénérescence, mot qui n'a pas lieu d'être. Très bien. Bien sûr. Bon, écoutez, on retourne avec notre client et on revient vers vous un petit peu. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Est-ce que vous en êtes bien sûr? Écoutez, plus ou moins. Oui. J'ai envie de vous dire. Vous savez ce qu'on dit? On verra sur le fait. On verra qui livre. On n'est pas au courant de beaucoup de choses. Écoutez, okay, là, vous êtes arrivé à un moment où on a besoin de vous. Enfin, où les criminels ont besoin de vous. Oui, on donc vous tombez à pic et bonne chance. Très bien. Même si je suis désolé. Non, il n'y a pas de mal. Par rapport à. Je sais pas s'il y a un win rate d'avocat. Comment ça s'appelle? Il vous a dit qu'il n'y avait pas. On est les meilleurs. Retenez ça, on est les meilleurs. Parce que là, vous allez protéger 4 personnes. Ces 4 personnes vont aller en prison. Monsieur, je sais pas par rapport à votre taux de réussite. Ça va vous influencer. Je suis désolé d'avance. Oh là là. Ah, ben voilà. Je les reconnais pas, ils se ressemblent tous là-dedans. C'est la mode, les bandanas, peut-être. Oui, les bandanas, ça a l'air de. Je vais m'énerver. Bonjour, monsieur Soulac. Ok, alors vous allez très attentivement m'écouter, messieurs les criminels. Ouais, ces messieurs-là sont vos avocats commis d'office avant que vous, à moins que vous en vouliez d'autres. Donc vous allez strictement ne pas communiquer et vous en tenir juste de répondre aux questions de ces messieurs. Sterling, prends la déposition des deux autres et je m'occupe des deux verres. Allez, okay. Monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. On va essayer de vous aider. Ramenez le violet. Alors, nom, prénom s'il vous plaît. Tyrone Jackson. Tout à l'heure, on avait parlé, nous deux. Vous m'avez dit que je devais faire croire attendez, que c'est le coup de la folie. S'il vous plaît, monsieur, chaque chose à la fois. Votre, vous êtes connu comment dans la rue? Enfin, un pseudonyme, dites-moi. Yo, moi c'est TJ, j'ai vendu la queche bien verte. De la queche, dites-vous? Non, moi c'est TJ, je viens du hood, point. D'accord. Expliquez-moi s'il vous plaît ce qui s'est passé. Comment ça, ce qui s'est passé? Écoutez, vous avez fait une prise d'otage? Alors non, alors je vous explique. Oui, dites-moi. Moi, à la base des bases, au début, je voulais parler à Soulax. Oui, pourquoi? Après... Et de quoi? Monsieur, on est là pour votre défense, il va falloir vraiment que vous me donniez des détails. Laissez-moi réfléchir. Réfléchissez. Est-ce que je peux vous faire confiance? Messieurs, écoutez, on a un avocat. Vous savez c'est quoi mon but? Vous allez être puni, monsieur, d'accord? Mon but, c'est de réduire cette punition. Vous voulez pas croupir en prison? J'ai voulu péter sous l'axe pour X raison, parce que je peux pas vous le dire. Alors, monsieur, permettez-moi de vous rappeler ce dont les chefs d'inculpation qui vous sont retenus, d'accord? Ça va peut-être vous aider à avancer peut-être plus vite avec moi. Je les connais. Vous les connaissez? Vous avez vu que ça. Refus d'obtempérer, braquage sur agent de l'État. Détention d'armes illégales de guerre, terrorisme. Quoi? Et c'est ce qui est retenu, monsieur, dans le dossier. Ah non, pas du tout. Moi, on m'a pas dit ça, moi. Ah, bah dans ces cas-là, on verra avec le juge et le procureur. Mais bon, c'est ce qui est pour le moment retenu. C'est pour ça que je vais vous demander de coopérer parce que ça sent pas bon, monsieur. Ok. Notre but, c'est vous sortir un petit peu plus tôt, d'accord? Ouais, ça serait cool, hein. Oui, ça serait cool. J'ai pas envie de m'évader de prison et être en cavale toute ma vie, tu vois ce que vous dites? Oui, bah ouais, je vois totalement ce que vous voulez dire, monsieur. Ça va être compliqué, d'accord? Je vais être totalement transparent. Il suffit juste de tuer tous les cops. Non, mais monsieur, il y a d'autres cops d'ailleurs qui vont venir et qui vont vous prendre. Donc pourquoi voulez-vous tuer les policiers? Pour de l'argent, point. Vous cachez quelque chose, monsieur. Monsieur, faut comprendre que je suis là pour vous aider. Ouais, mais je peux pas vous dire, c'est une question de vie ou de mort. Vous comprenez ça aussi ou pas? D'accord. Bon, alors donc vous êtes sous la pression de quelqu'un qui peut vous tuer si jamais vous communiquez trop, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc vous êtes un peu manipulé. Je fais ça de mon plein gré parce que j'avais le choix. Comment ça, vous pouvez pas faire ça de votre plein gré si vous êtes sous pression, monsieur? Je suis pas sous pression. On m'a donné une mission, je la fais, c'est tout. Mais vous pouvez mourir si jamais vous en dites trop. Exactement, c'est logique. Donc vous êtes sous la pression de quelqu'un du dessus. Monsieur, ça, sans dire de nom, sans dire de prénom, ça peut être utile pour vous. Parce que si
j'ai vous... jamais de prénom. Voilà, mais si vous êtes sous pression et que vous plaidez que vous êtes, que vous avez fait ça sous pression, ça peut vous aider. Vous comprenez ou pas où je veux en venir? Ouais, peut-être. Non, c'est pas peut-être. C'est vous comprenez ou vous comprenez pas? Ouais, mais en fait, moi j'ai trop de cuits. Ok, Einstein. Alors, il faut que je te parle, Cooper. Oui, attends, parce qu'on a un gros problème. Donc... Oui, mais on en a deux maintenant. Donc, si vous arrivez à plaider le fait que vous soyez et que vous ayez fait ça sous pression, ça peut vous aider. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Du style, devant le juge, je dis qu'on m'a mis devant pression, le procureur, sinon, ça allait exactement, mourir. Exactement. Sans dire de nom, sans dire de prénom. Parce que sinon, justement, vous mourrez. Donc, est-ce que vous êtes capable? Écoutez, il faut mettre tous les avantages de notre côté. Sinon, ça va être compliqué et je peux vous dire que des avantages, il n'y en a pas beaucoup. Yo, ouais, je vois. Donc, est-ce que vous êtes capable devant le procureur de dire que vous avez fait ça sous pression? Je suis capable, mais le problème, c'est est-ce qu'ils vont y croire en sachant que je viens de sortir de 4 ans de prison avant-hier? Oui. Et que hier, écoutez, j'ai fait un braquage de... Monsieur, c'est à nous de leur faire croire. C'est nous qui allons plaider. Oui, c'est notre boulot, c'est notre boulot. Bon, est-ce que vous voulez sortir de là ou pas un jour? Parce que sinon, ça oui, va pas oui, être je veux sortir, je vous écoute, hein. Ouais, écoute, ne paniquez pas, nous connaissons notre métier, monsieur. Ne paniquez je pas, on connaît. Je panique pas, moi, j'en ai rien à foutre des tirs. Bon, vous voulez est-ce pas mourir que vous avez en prison, en prison, évidemment. Voilà, vous voulez pas croupir ici. Que vous vous souvenez d'un monsieur Driss, un mec violet, qu'il était sur les lieux? Je sais pas du tout. Bon, d'accord. Écoute, de toute évidence, il ne communiquera aucun nom, aucun prénom, d'accord? Exactement. Oui, il a compris qu'on était avocat ou... Non. Oui, j'ai compris que t'étais avocat, mais je sais vraiment pas du tout s'il y avait des violets. Messieurs, nous sommes là pour vous aider. Mais non, il y avait pas de violets, on était trois verts. Non, mais en fait, si vous mentez, parce que sur les vidéos surveillance, il y a des violets, vous croupissez, vous passerez là. Il n'y avait pas de violets. Quand j'ai essayé de braquer les trucs, on était trois. Vous étiez devant le commissariat ou pas? Mais non, je les ai braqués au parking rouge. Très intéressant. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse les trucs ensemble, sinon on va jamais y arriver. Oui. Mais oui, j'ai avoué aux policiers que je devais péter un cœur. Okay, pour une mission, pour de l'argent. Ok. Donc sous pression. Sous pression. À partir de ce moment-là, moi j'ai fait quoi? J'ai fait la mission, tu vois, normal. Sinon c'est une question de vie ou de mort. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ou pas oui. Oui, on voit. Oui, on est voyeurs. C'est des détails importants. Du coup, je vois Soulax avec sa voiture qui parle mal. Je le suis. Et là, boum, on essaie de le péter. Au parking rouge, sauf que là il y a tous les cops, on sort. Quand vous dites M4, on, c'est vous? On, c'est moi et mes potes. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Qui sont en cellule ici présent? Ils sont en cellule ici présent. D'accord. C'est, bon. Après, je sors mon arme. Arme de guerre, monsieur. Arme de guerre, si tu veux. C'est pas si je veux, c'est les faits, monsieur. Oui, arme de guerre. Moi j'appelle pas ça une arme de guerre. Oui, enfin, c'en est une. Donc, après, selon la constitution américaine, il a le droit de posséder un fusil d'assaut. C'est ça, voilà, il a le droit de fusil. Ne l'oublions pas, Sterling, s'il te plaît. Hein. Voilà, nous restons en Amérique, ne l'oublions pas. Donc, dites-moi, okay. Continue. Je sors mon arme parce que je vois que tous les policiers me braquent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, légitime défense, monsieur. Légitime défense, tu vois ce que je veux dire ou pas? Légitime défense après un acte d'agression. Exactement. Du coup, bah, j'ai levé les mains. Ah, ok. Alors, attendez. J'ai posé mon arme par terre et je suis entré dans la voiture, ils m'ont menotté et tout. Donc, vous vous êtes rendu. Exactement. Et vous avez avoué, vous avez dit la vérité à la police sur le fait que vous vouliez péter un policier. Vous l'aviez dit ça à la police? Non. Quand ils vous ont attrapé, vous leur avez dit quoi? Et d'ailleurs, combien de temps ils ont dit pour lire vos droits? Ils m'ont lu direct. Non, ils m'ont fouillé et ils m'ont lu. Non. D'accord. Donc, ils m'ont fouillé, ils m'ont menotté et ils m'ont emmené ici, d'accord, là, au parking. Donc on peut lu. Pas jouer sur ça, ils ont lu les droits aux clients, malheureusement. Monsieur, rappelez-moi par votre prénom. Il m'a pas enlevé ma ceinture et mes lacets, etc. Donc ça, je sais pas si c'est. Bref. Ça ne regarde que vous. Mais ne faites pas votre prénom, s'il vous plaît, monsieur. Rappelez-moi votre nom et votre prénom. C'est Tyrone. J'ai déjà noté Sterling, on va éviter de se répéter. Voilà. T'inquiète pas, je te transmettrai. Non, c'était juste histoire de noter. Moi, les cops, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit où vous avez eu cette arme? Ils m'ont dit que c'était des mecs cagoulés en noir qui m'ont donné avez-vous cette arme. Avez-vous le permis d'arme? Non. Ah. Peut-on dire mais que c'est, cette c'est arme-là... Qu'un... Non, mais c'est qu'un petit délit. En Amérique, on a le droit d'avoir une arme. Donc c'est qu'un petit délit. C'est pas grand-chose, vous inquiétez pas. Je vais me permettre de résumer ça très rapidement, d'accord? Monsieur Tyrone. En gros, vous avez voulu, si j'emploie vos termes, péter un policier. Vous, ainsi que deux collègues, vous avez donc pris un policier sur un parking, d'accord? Et d'autres policiers sont venus et vous avez mis vos armes au sol. Moi, la base des bases, je voulais même pas le péter sur le coup. Moi, la base des bases, je voulais juste parler avec lui. Oui, mais s'il vous plaît, quand la police vous a demandé de coopérer, est-ce que vous avez coopéré directement? Il y a eu 5 secondes. Ok, bon, c'était quand même relativement rapide. Oui, c'est une coopération. Et vous avez avoué à la police que vous vouliez juste discuter. Non, j'ai pas dit ça à la police. Hein. Vous avez dit quoi? Ils m'ont braqué, je les ai braqués. Après, t'as vu, quand ils m'ont braqué, j'ai vu que j'étais plusieurs. Ouais. J'ai eu des flashbacks dans ma tête en mode moi quand j'étais petit, je me suis dit c'est bon, c'est la fin pour moi et tout, tu vois, ils vont braver. Ah, faut pas penser ça. Et vas-y, j'ai fait quoi? Je me suis dit je suis noir, ils vont me tirer dessus, et du coup j'ai levé les mains. D'accord. Vous savez quoi? J'ai votre déposition, en tout cas j'ai vos faits à vous. Si vraiment la déposition, vos faits de vos collègues correspondent à ce que vous avez dit,
dit, on peut vous sortir de là. Si, vous, collègues... avez ca... si vous avez caché quelque chose, ça risque d'être rien compliqué. Faire. On peut rien faire. Ok, mes collègues, ils auront le même discours si tu les fais cracher un peu. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Oui, vous inquiétez pas pour ça. Dis-leur que t'es avocat et qu'il y a rien, tu vois. Ok, une seule question. Il y a quelque chose quand même. Il y a pas rien. Tu lui dis pas de nom. Oui, oui, oui. S'il te plaît, si t'as fait ces preuves dans ce métier, c'est en m'écoutant. Tu t'as confondu deux affaires, d'accord? Ça n'a rien à voir. Bien sûr. C'est pour ça que je commence à en avoir marre de cette histoire de séparation. Non, mais voilà. J'entends bien, mais en fait, là, il faut pas faire ce que tu fais. D'accord, mais alors, faut m'expliquer, parce que là, je comprends donc, rien. Donc, écoute, là, c'est juste une affaire de... Ils ont voulu capturer Soulax pour lui parler, d'accord? Pourquoi et... le flic nous parlait de tourisme? Non, c'est une autre affaire, ça, c'est du côté violet et tout, c'est différent, d'accord? Il va... oui. C'est pour ça qu'il nous filait les violets, ben, il faut rappeler à on va faire comme on faisait il y a 15 ans, tu vas juste écouter, d'accord? Ouais, d'accord, voilà. Ok. Allez. Attends, avant ça, on refile les violets, on les refile à quelqu'un d'autre. Oui, bah on pourra pas gérer tout le monde. Bon. Voilà. Donc je vais le ramener. Ah bah dis donc, il y a plus de policiers. Il y a mon collègue de droite, il était avec moi sur le coup, et je vous promets qu'il va dire la même chose, parce que de toute façon, c'est la vérité ce que je dis. Il va venir avec nous. Monsieur, vous pouvez venir ou pas? Je dis la vérité, et rien que la vérité, et je le jure solennellement. Bien sûr, vous allez bien, monsieur? Ben vous? Ça va. Tenez, venez. Je vous suis. Je ne sais pas du tout où est mon collègue, il est un petit peu dissipé, veuillez nous en excuser. Bon, asseyez-vous. Pas de mal. Je me présente, monsieur, je suis avocat, d'accord, monsieur Rick Cooper, et je suis là pour essayer de réduire le plus possible votre peine. Est-ce que vous comprenez bien ça, monsieur? Je comprends très bien, monsieur. Bon, j'ai eu les faits de votre ami, j'aimerais avoir un petit peu votre histoire, histoire de voir si déjà ça coordonne, d'accord? Bonjour, monsieur. Bon, monsieur Sterling, asseyez-vous et notez ce qui va se dire, s'il vous plaît. Donc je vous présente monsieur Marty Sterling qui est avocat aussi et on travaille enchanté, dans monsieur Kendrick Johnson. Enchanté monsieur Johnson. Le même cabinet. Donc nom prénom s'il vous plaît monsieur. Monsieur Kendrick Johnson alias KJ. Notez monsieur Sterling s'il vous plaît. Je prends des notes. Racontez-nous les faits s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi monsieur les avocats d'Ospi. Oui. Deux secondes, trois petites secondes. Stop, dis plus rien. Monsieur KJ peut dormir ou pas? Vous avez encore? Oui, c'est bon. On a sa déposition. On a tout ça. Vas-y carré. Désolé. Que veut dire carré, Sterling? Le cube. Allez-y, continue. Très bon. Dans une chop. Ok, une voiture. Une voiture. Une auto, c'est ça, une automobile. Voilà, vous étiez accompagné, vous n'étiez pas seul. Un capot. On était accompagné. Avec deux. Trois personnes. Vous pouvez vous identifier ces personnes? Oui. Et une autre personne. Donc on avait TJ. Monsieur Gator, on l'appelle comme ça parce qu'il ressemble à un alligator. Donc c'est Gator, l'alligator. Note ça, Sterling, c'est intéressant. Voilà. Donc allez-y. Donc vous étiez en voiture, vous étiez trois et vous aviez un plan, c'était quoi? C'est ça. Bon, attendez, vous me pressez un peu la donne. Personne ne presse ici. Prenez votre temps. Ok, avant dans la soirée, on avait reçu des ordres comme quoi les flics ce soir, ils étaient un petit peu des ordres de mon Hoji, de la personne qui gère le patron, mon groupe d'amis, on va dire. Voilà, boss. C'est ça, mon boss. D'accord, votre boss. Voilà, mon boss. Est-ce qu'on peut le prénommer ou... Hoji. On peut le prénommer Hoji. Okay. Attendez. Ça, c'est intéressant, je note. Donc, cette personne-là, le Hoji, comme je viens de le dire, nous avait dit que en ville, les flics, ils étaient un petit peu paniqués, il y avait pas mal de choses et on avait reçu des sortes de menaces des flics comme quoi enfin non il y a des problèmes des trucs comme ça enfin j'ai pas trop compris le truc j'ai écouté à moitié je vais pas vous mentir quand le Woody parle c'est assez ennuyant enfin bref donc il nous avait donné pour ordre de s'il y avait un flic qui faisait un peu trop les grosses couilles comme on dit faisait un petit peu trop le boss. Ouais, est-ce que je veux te dire? Oui, on bien sûr, mais on voit parfaitement, on a l'image. On avait ordre de le kidnapper, c'est pour ça qu'on a eu un équipement adéquat pour justement effectuer cette mission. Donc, là, on parle d'armes et de fusils d'assaut. Voilà. On parle d'armes assez lourdes. Avez-vous le permis pour avoir ces armes-là? Aviez-vous un plan, monsieur? Je n'ai pas le permis. Non, c'est Sterling. Aucun plan, monsieur. Oui, je note. Donc, avez-vous le permis de possession d'armes? Je n'avais pas le permis, malheureusement. D'accord. Vous avez des armes, mais on est en Amérique. Donc, vous avez le droit d'avoir des armes, mais vous n'avez pas le permis, c'est un petit peu plus problématique, mais ça reste un tout petit délit, donc ça va. Que vous avez déjà eu un permis, monsieur? Je n'ai jamais eu de permis, non. D'accord. Donc, vous avez attrapé le policier. Alors du coup, non, je vous presse encore une fois la donne, monsieur l'avocat, si je peux me permettre. Excusez-moi. Du coup, on roulait tranquillement à bord de mon baleur vert, immatriculé ZX378. D'accord, okay. Donc votre véhicule personnel à vous? Mon véhicule personnel, exactement. Très bien. Au nom de Kendrick Johnson, justement, pour. On se dirigeait justement à une boutique de vêtements. On est passé par l'hôpital, on a fait un petit détour parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de mouvements, on va dire, il y avait pas mal de policiers. Donc on s'est approché, on s'est tout de suite fait menacer. Par les policiers, exactement. Donc nous, on n'a pas trop apprécié ça. Donc c'est la police qui aurait commencé, selon les faits. Voilà, c'est ça. La police, comment définiriez-vous l'agression? Est-ce que c'était une agression verbale? Verbale et assez physique. On nous a quand même menacé avec.
un fusil mitrailleur. Donc, est-ce que vous parleriez d'intimidation, monsieur ? Je parlerai clairement d'intimidation. D'accord. Est-ce que vous parleriez d'abus de pouvoir ? Pas d'abus de pouvoir, car ils sont dans leur droit de protéger la zone qui avait l'air d'être mais des intimidations qui seraient d'ordre insultante. Exactement, d'ordre assez menaçante même. Menaçante, très bien, je note. Note ça, c'est très important, ça peut sauver les clients. Donc, pour en revenir à mon histoire, ensuite, une fois qu'on a vu ça, on s'est décidé de se diriger place des cubes. Oui, on connaît bien, on a un petit appartement. Rayonnante. Oui, on... voilà. Très bien, bon. On connaît le cube. Très bien, vous connaissez le cube, c'est parfait. Et d'un seul coup, on voit une voiture jaune, assez beige. On se dit, bon, bah tiens, on va la suivre, on va essayer de discuter avec eux, savoir s'ils en savent plus sur la situation à l'hôpital. Parce que nous, on était quand même assez intrigués, on n'avait aucune information. Et comme on est assez curieux, on aime bien savoir ce qui se passe en ville. Attendez, je tourne la page parce que c'est une très longue histoire. Oui, moi aussi, il va me falloir un autre calepin. Très bien, messieurs. Abrégé directement. Ok, donc venez-en au bord de la voiture, on comptait discuter, on s'engouffre dans un parking rouge. Le fameux parking rouge de Los Santos. Et là, d'un seul coup, il y a je ne sais pas combien de voitures d'LSPD qui se pointent à la minute, dans la seconde. Alors, attendez, même. Rectifions une chose, monsieur. Permettez-moi de vous interrompre, c'est très important, c'est pour votre dos. Cette voiture jaune, c'était dans l'objectif de kidnapper le propriétaire. Alors non, cette voiture jaune, c'était dans l'objectif de discuter avec le propriétaire, justement. D'accord. Mais je ne savais pas que c'était un cop. Vous savez que votre version change... pas loin de l'hôpital, là. Monsieur, sans vouloir vous porter offense, oui. Sachez que votre version change avec celle de votre collègue. Donc, on recherche une... Il faut que dans cette histoire, tous les protagonistes aient le même discours. Voyez-vous ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais moi je vous parle de mon expérience personnelle, d'accord ? D'accord. Moi, je n'étais pas dans l'optique, justement, de braquer cette personne. Je crois que oui, mon ami avait. Il pourtant, l'avait votre soufflé, boss, d'ailleurs, plusieurs fois, Audi, quand il parlait de la voiture. Pourtant, votre boss. Moi, je me mets à la place. Exactement. Dites-vous que je me mets à la place de l'accusation. L'accusation va vous dire ce ceci, monsieur. Elle va vous dire monsieur, votre patron, Audi, selon vos dires. Yo, Bania, tout le comico, ya, gros big up. Oula. Enfin bref, c'est lui, on abandonne le projet. N'abandonne pas le projet avec lui. Personne ne l'aidera. C'est terminé. Vous êtes seul. Merci. Vous êtes notre seul client maintenant. Très bien. Donc, du coup, lui, TG, il avait dans l'optique, justement, une optique assez forte, assez poignante de justement, sachant que moi je ne savais pas encore que c'était un policier, sachant que c'était un véhicule assez civil qui n'avait pas les inscriptions LSPD sur les portières, etc. Je pensais justement que c'était un civil qui justement roulait tranquillement. Donc vous êtes en train de dire que vous n'étiez pas au courant du plan? Moi personnellement, j'avais pas de plan, je vous le dis clairement. Pour moi, il n'y avait aucun plan défini, il y avait rien qui était calé. J'avais mon fusil d'assaut dans le sac au cas où s'il y avait quelque chose qui dégénérait. Donc en fait, ça s'est fait un peu à l'improviste, sans organisation quelconque. Exactement, moi c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas préméditation. Voyez-vous, oui, je suis d'accord avec vous, oui. Mais moi j'étais pas dans une optique de braquer cette personne-là. Je voulais simplement discuter, savoir. Est-ce que vous définiriez votre ami dans l'optique de le faire? Définirais mon ami qui était dans l'optique exactement de le faire. Ah, moi personnellement, j'étais pas pour. Mais oui, ça vous aide pas. Je... Non, vous aide en pas. Gros, votre ami, en gros, c'est votre ami le problème. Écoutez, c'est TG, c'est un garçon un petit peu. Comment définiriez-vous votre ami? C'est une brute. Ça en revient à ce qu'on avait appris quand la personne nous disait je pense qu'il y a une pookie dans le sas. Oh, bien vu. Ouais, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression qu'on est en train de flairer quelque chose. Je pense que c'est un animal. Donc, vous m'avez insulté de Pookie, là, si je comprends non, bien. Non, mais non, justement, parce qu'on a besoin de votre version. Donc, c'est pour ça, je vous livre à vous. Si vous êtes non, des mais justement, moi, je me casse, il faut que vous. Si vous voulez sortir, monsieur, un jour, il faut nous dire la vérité. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi vous doutez sur ma version? Non, au contraire. Mais par contre, il y a un problème. Il y a deux versions différentes. Écoutez, TG, je savais qu'il était dans l'optique de braquer cette personne, mais moi, j'étais contre justement cet acte-là. Je savais il y aurait une couille. Alors avez-vous essayé TG de l'arrêter? TG est quelqu'un qui fonce tête baissée, d'accord? Mais quel âge, pour être précis, votre TG? Quel âge c'est quelqu'un d'assez... Quel âge est-il? D'assez renfermé, je ne connais pas exactement son âge, je ne pourrais pas vous dire... Ça aurait été intéressant de savoir alors, si c'était... Moi j'ai un petit problème, c'est que vous m'avez l'air très lucide, donc vous ne pourrez pas plaider la folie sur cette affaire. Oui, et par contre il pourrait être victime de la folie de son collègue. Voilà. On pourra très certainement lui enlever l'effet de tentative dans avec préméditation, vu qu'il y avait aucune préméditation. On peut dire qu'il a été embarqué dans une histoire qui le dépassait. Je vais continuer l'histoire, vous êtes trop sérieux pour moi, messieurs. Vous êtes quoi? Vous êtes trop sérieux pour moi, messieurs. Vous avez un vocabulaire très, très construit. Très... On fait notre métier, gros, monsieur. Je suis en train de dire que vous avez peut-être été embarqué dans une histoire qui vous dépasse un petit peu. Très bien, parfait. C'est un peu ça, oui. C'est Note Sterling, parce que peut-être une qui va pouvoir sortir d'ici un jour. Monsieur, sachez que ça sent bon pour vous. Très bien.
Bon, du coup, je continue. On arrive du coup dans ce parking rouge, justement, aux abords de ce véhicule, quand d'un seul coup, je vois une rime en pelle de voiture de Speedy qui débarque et qui nous pointe des armes sur nous. Mais bien sûr. Donc, sans hésiter, sous le coup de la panique, je suis sorti et j'ai sorti le bijou que j'avais dans le sac et je l'ai pointé également sur vous eux. Vous avez montré vos bijoux de famille. Non, je n'ai pas montré mes testicules, monsieur l'avocat. Non, Sterling, j'ai sorti mon fusil d'assaut. Alarme à feu, d'accord. Non, je préfère être précis. Vous savez, monsieur. On sait jamais, monsieur. La précision. Voilà. Pas d'ambiguïté dans la défense. Oui, mais il est tard. Donc, bon, très bien. Donc vous avez sorti une arme. Allez, faisons bien. Exactement, voilà. J'ai sorti une arme et je savais très bien que c'était peine perdue. Est-ce que vous avez pointé devant la police par peur, par pression? J'ai pointé par pression, exactement. J'avais peur justement pour ma vie. Est-ce que verbalement, vous avez été insultant envers la police, à titre personnel? Alors non, moi je ne suis jamais... Faut savoir que ça peut vous paraître bizarre, d'être une personne qui habite dans les bas-fonds de la société, on va se dire comme ça. Mais je trouve que la LSPD fait quand même un métier, vous voyez. Je vous sens respectueux, monsieur. Moi, je vous sens ouvert et alerte. Vous avez des valeurs, monsieur. Vous avez des valeurs. J'ai des valeurs, certes. Sachez que Sterling Cooper, je parle au nom de la société de cabinet, et très heureux de vous défendre, monsieur. Voilà, je vous le dis au début. Très bien. Écoutez, le plaisir est partagé, alors. Mais qu'est-ce que tu dis ? Bon, ok, c'est bon. Du coup, la police vous a pointé les armes pour vous demander de mettre vos armes à terre. Qu'avez-vous fait ? Avez-vous insulté ? Avez-vous tiré ? Avez-vous posé vos armes ? Avez-vous coupé ? Qu'est-ce que vous avez fait quand la police vous a demandé de baisser vos armes ? Écoutez, j'ai dit, vous, baissez vos armes. Oui, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Non, ensuite, ils ont dit, va te faire enculer. Et du coup, ils m'ont dit, blé, on va te tirer dessus. Ok. Et du coup, j'ai levé les mains. Ah, d'accord. Donc, vous avez lâché vos armes. Pas de coup de feu. Vous avez coopéré, j'ai pas de coup de feu. Vous pourrez demander aux agents qui... Il y a eu zéro coup de feu. Vous pourrez demander aux agents qui étaient présents sur la scène. J'ai toujours été coopératif dans tous mes faits et gestes. Oui, enfin, vous étiez à deux doigts de menacer fumer quand même. De fumer. Écoutez, quand vous avez 15 armes braquées sur la tête, la première chose que vous dites, c'est est-ce que je vais mourir maintenant ou est-ce que je vais survivre? Et c'est souvent l'instinct de survie qui. Non, moi, qui je me tue dans la merde. Il y a des personnes. Écoutez, qui Sterling, chacun réagit différemment à la pression. Écoutez, Sterling, vous commencez à briser les couilles là. Ouh, attendez, s'il vous plaît. Ne franchissons pas des étapes à ne pas franchir. Non, bon. Notez pas ça, Sterling, c'est un petit peu. Il s'est emballé. Il s'est emballé. Mais après, je comprends ce que vous ressentez vis-à-vis de Sterling. Ça m'arrive aussi. Bon, écoutez, je vais vous ramener en cellule. Veuillez me suivre, monsieur. J'ai votre déposition. Attendez, est-ce que ma déposition. Il veut parler, laisse-le parler. Est-ce que ma déposition est cool? Comment ça? Sincèrement, s'il te plaît. Est-ce que c'est bien, Sterling, tu es avocat, tu es impartial, d'accord? Non, mais justement, je tiens à dire. Mais arrêtez de le rabaisser, ce pauvre Sterling. Non, il a raison. Bêtise. Écoutez, je connais Sterling mieux que vous, monsieur. Oui. Il faut pas qu'il parle. Je vous fais confiance, là. Allez, venez, monsieur. Venez, s'il vous plaît. Vous suivez, monsieur. Monsieur, je ne vous garantis rien. On va essayer de faire le maximum. Il te domine. Mais non, mais. Oui, vous dites, messieurs. Non, je disais qu'il faisait très bon. Il me disait qu'il a apprécié notre deal. Écoutez, je suis avocat, on va dire que je ferme cette cellule. Passez une bonne soirée, monsieur. Et puis, vous aussi, monsieur. Et puis on se verra bientôt, d'accord? Vous avez à manger et à boire, bien évidemment. Allez, oui, vous avez à manger et à boire? Non. Oui, j'ai. Et sinon, vous grattez les murs, vous aurez sans doute. Il y a des rats qui passent. Est-ce qu'il a les speedy, là? Y a pas quelqu'un pour discuter avec moi, la bordel de merde? Vous êtes très sensible pour un gangster. Est-ce que vous voulez que je vous laisse avec Sterling, peut-être? Non, il a l'air de vouloir discuter, Sterling. Sterling, venez avec moi. Voilà, Sterling, voyons. Allez, passez une bonne soirée, monsieur. Bon, Sterling, tu t'es un petit peu emballé une ou deux fois. Hein. J'ai oublié ma sacoche. Voilà. Ouais, t'as vu l'heure aussi? Oui, mais. Bordel. Oui, mais Sterling, il faut te contenir, s'il te plaît, d'accord? Oui, mais au bout d'un moment, il faut. C'est vrai. Bon, j'ai cru que tu t'allais tomber amoureux de lui et ça m'a fait peur. Mais bon. Faut avouer que pour un gangster, il est original. Oui, mais enfin, Sterling, t'en oublies beaucoup de choses. Et c'est vrai, mon impartialité. On a oublié de parler de paiement. Oui, ça c'est le plus important. Non, mais ça on verra avec la police et on est avocat commis d'office. Et on n'a pas de logement. Ah bah si, on en a un. Si, on a un logement. Oui, mais attends, on va dormir là où on met notre voiture. Bah on va chez nous, hein, on va chez nous. Attends. Ah putain, c'est siège, hein. Putain de merde. Ça rebondit en fait. On peut mettre où notre voiture? Et Chez nous. Non, le parking. Mais... Le parking. Pourquoi il y a un camion de police au milieu? Je ne sais pas. Écoute. C'est la guerre. Là je fatigue. Oui, je vois ça, Sterling, je vous ramène tout de suite. Mais ramenez-moi avant que. On a beaucoup rigolé, Sterling, et on a eu beaucoup d'affaires, mais. Voilà, il va falloir que vous reposiez, monsieur Sterling. Ouais, parce que là, vous commencez. Oui, voilà. Vous dites des bêtises. Voilà, les bêtises sont dites, les bêtises sont écrites.
Voilà. On a les dépositions, on va pouvoir essayer de faire quelque chose. Alors, on s'est passé une petite journée tranquille à l'apéro avec ta nièce, tous ensemble à discuter, et finalement, ben voilà. Alors, mets-moi le parking. Il n'est pas là. Et on va dormir où, en fait? On n'a pas un garage chez nous, en fait. Ben je sais pas, écoute Sterling, on verra ça plus tard. allons dans ce container. On a oublié nos manettes. Ce container, oh putain. C'est pas grave, ils seront dans la voiture. Même. Ce container m'a l'air bien sympa. Allez, Manny Sterling, j'ai dormir sur cette petite palette. Oui, moi sur les cartons à gauche.